retenu cette série de vidéos avec le beat repeat, qui est un effet que je n'utilise absolument pas. Donc pour le coup, j'ai dû préparer un petit peu mes antisèches et ressortir le manuel pour vous l'expliquer, mais bon, il reste quand même assez simple à expliquer et je devrais m'en sortir. Donc le beat repeat, c'est un effet qui va capter un signal, donc notre son, et qui va créer des répétitions aléatoires ou synchronisées. Donc, avant de vous expliquer le fonctionnement ici, moi je pense qu'il est important de voir, là, c'est ces trois modes de lecture. Donc on va avoir mix, où on va entendre notre signal et les répétitions en même temps. On va avoir insert, qui lui, on va entendre notre signal, mais au moment où on va avoir les répétitions, on va entendre que les répétitions. Et on va avoir gate, qui lui, nous fera entendre que les répétitions. Donc là, j'ai mis un beat repeat de base, par défaut. Donc par défaut, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Il a un intervalle de 1 barre et il va fonctionner tous les 1 barre. Et on va juste écouter les différents modes. Donc je vais prendre 1 barre. On écoute 100. Et on va écouter avec. Donc là, on entend les deux, le signal et la répétition. Là, on va entendre au moment de la répétition, uniquement la répétition et ensuite le signal. Et là, on va entendre uniquement la répétition. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est pratique sur une piste de retour pour créer des effets, de le mettre sur ce mode-là. Donc on va retourner sur insert, ça va être le plus simple, je pense, pour vous expliquer le beat repeat et pas être trop perdu. Donc là, on va avoir, dans un premier lieu, l'intervalle. Donc l'intervalle, en fait, définit la fréquence à laquelle le beat repeat capture le son et il commence à le répéter. Donc en gros, ça va être tous les 1 barre, tous les 2 barres, tous les temps de temps, tous les demi-temps, etc. etc. Donc lui, il est toujours synchronisé au tempo. Et là, ensuite, on va avoir la commande offset. Et lui, offset, en fait, il va plus ou moins définir l'endroit où on va actionner notre répétition dans cet intervalle. Par exemple, là, on l'a vu que je prenais un intervalle de 1 temps. Donc, on entend que la répétition se fait au début de cet intervalle. Et bien maintenant, avec le bouton offset, je vais me déplacer dans cet intervalle. Voilà, donc ça va nous permettre, comme vous l'avez vu, de sélectionner dans cet intervalle l'endroit où on veut que notre répétition se fasse. Et ensuite, avant de voir ce qu'on a là, on va voir gate. Donc gate, lui, va définir la durée totale de toutes les répétitions. Donc il les définit en double croche, enfin le mode de sélection, c'est en double croche, quoi. On va aller de double croche en double croche. Et donc, il va nous permettre de régler le temps en fait, de répétition. Donc, on va retourner, on va rester sur 1 barre. On va retourner au début, pour que ça soit simple. Voilà, donc là, on voit par exemple qu'il est répété sur nos 2 premiers temps, qui s'arrête un peu avant et que là, c'est pas répété. Ok. Et bien, avec gate, je vais pouvoir modifier ça. Et là, par exemple, ça sera répété que sur notre premier temps. Je vais pouvoir le faire se répéter sur moins de temps. Ou plus de temps. On pourrait même le faire se répéter sur toute notre barre finalement. Voilà, donc gate, lui, va définir le temps de répétition sur l'intervalle qu'on a sélectionné à partir de l'offset, donc du placement qu'on a sélectionné dans notre intervalle. Vous me suivez? Et ensuite, ici, on va avoir le bouton chance. Donc lui, c'est pas un dry wet, mais je le visualise un petit peu comme un dry wet. C'est-à-dire qu'à 100%, en fait, il va nous permettre de rajouter un petit peu d'aléatoire là-dedans. À 100%, notre répétition va s'effectuer au moment où on a décidé qu'elle s'effectue, donc comme on l'entend là depuis le début. Quand on charge notre preset, il est comme ça de base. Par défaut, c'est à 100%. Et à 0%, on va avoir aucune répétition. Et si ben, on met une valeur entre les deux,
un facteur aléatoire qui commence à rentrer en jeu. Petite parenthèse que j'ai oubliée, ici on a une diode au-dessus d'offset. C'est un petit repère visuel qui va nous permettre de savoir où on en est au niveau de notre intervalle. Là, par exemple, on a un intervalle d'une barre, donc une mesure. Et bien, on peut voir ici que cette diode elle va s'allumer uniquement au moment où la répétition va s'effectuer, enfin au moment où elle va commencer. Si je mets le métronome, on entend et on voit du coup où la répétition se fait. Donc ensuite, une fois qu'on a vu ça, je peux vous montrer donc Gride. Donc Gride, lui, la commande Gride, elle va définir la taille de la grille et la taille de chaque tranche qu'on va répéter. Et ça, ça va être défini sur une durée définie par notre gate. Voilà, c'est ça. Donc, je vous montre un petit exemple en recommençant depuis le début. Si on choisit un intervalle, cette fois-ci, de deux mesures, pour qu'on puisse vraiment espacer et voir ce qui se passe. Sur cet intervalle de deux mesures, on reste l'offset, on le laisse à zéro pour le moment, pour ne pas se perdre, ou on va commencer au début. Bon, là, il est très très rapide, mais voilà, on entend qu'il commence sur la première note de nos deux mesures. Ok ? Donc ici, à chaque fois. Maintenant, avec mon gate, je vais définir la longueur. Donc la longueur, on va le laisser comme ça, pour qu'il agisse uniquement sur cette première partie. Et bien là maintenant, avec mon gride, je vais pouvoir sélectionner le nombre de fois où il va être répété. Et puis maintenant, avec mon offset, je vais pouvoir choisir ce que je veux répéter au moment où je veux le répéter dans mon intervalle de deux barres, combien de temps je vais vouloir le répéter, et à quelle quantification, entre guillemets. Vous voyez ? Voilà, tout simplement. Ensuite, là, on va pouvoir choisir le mode no triplet. Donc, si on le sélectionne, en fait, on n'a pas de grille ternaire là-dedans, de notre grille. Et là, maintenant, on va avoir des variations. Donc, avec cette commande, en fait, ça va nous permettre de rajouter des variations à différents endroits au moment où notre répétition s'active. C'est-à-dire, avec celui-ci, ça va rajouter des variations au moment où la répétition se fait. Avec ces trois modes-là, 1-4, 1-8, 1-16, on va ajouter des variations sur une quantification fixe, donc tous les 1-4, tous les 1-8, tous les 1-16. Et avec auto, on va rajouter une variation après que notre répétition se soit faite. Donc si on regarde un exemple, hop, avec celui-ci, donc là on met aucune variation, je vais juste mettre en lecture la répétition. Ok, et là on va rajouter des variations au moment où. Hop, ça a changé. Voilà, donc au moment où la répétition se fait, il y a une variation. Et là, si je fais ça, ça va être après la répétition. Voilà. Et donc après, ici, vous l'aurez compris, ça va être toujours au même moment, quoi. Ça va être calé par segment. Ensuite, ici, on va avoir pitch et decay. Donc pitch, lui, il va nous permettre en fait de baisser la hauteur. Donc la hauteur, c'est le pitch. Il va nous permettre de baisser la hauteur de notre échantillon vers le bas pour des effets un petit peu spéciaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la hauteur, elle est réglée par rééchantillonnage. Ce qui fait que ça va allonger les segments. Donc ce que j'appelle les segments, ça va être les mesures qu'il y a ici, vers le bas. Donc ils vont être plus longs. Donc ça ne va pas les compresser, mais pour les ajuster en fonction du changement de la longueur, ça signifie qu'on peut avoir une structure rythmique qui peut être assez ambiguë, je dirais, et qui, moi, je trouve, ça ressemble vite à rien. Si on écoute un exemple. Thank you.
assez convaincu par ce truc, mais ok. Et ensuite, on va avoir ici Pitch Decay. Lui, en fait, il va donner l'ordre. Chaque segment suivant va être plus grave que le précédent. Donc, si on écoute... Voilà, très simplement. Et ici, donc, on va pouvoir régler notre volume. Et ici, on va pouvoir appliquer une sorte de pente, en fait, pour faire disparaître notre beat repeat progressivement. Voilà. Et ici, on va avoir un filtre qui sera appliqué uniquement aux répétitions, pas au signal. Voilà, on a fait le tour pour le beat repeat, il n'y a pas de choses cachées dessus, j'ai fait des clics droits partout, il n'y a rien de différent comme on peut avoir sur des EQ ou d'autres effets qu'on va regarder, où là, il y a des choses un petit peu en interne sur le beat repeat, il n'y a rien de plus.